Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez de partout, très chers abonnés. Bienvenue sur votre émission Place au Wapituer à Kosola. Bonne nouvelle, très chers abonnés. Kalembe récupéré par les FRDC. Et puis de l'autre côté, Macheza Mabe Makas. La RDC vient de réceptionner plusieurs avions de chasse indiens. Hey! Mache Balouki. C'est comme si, d'après les informations que j'ai, Mokonzamboka a déjà appliqué la solution militaire. On vous avait dit que non, il est temps de se réconcilier to solola, to vanda, to sola lorola bandeko, parce que nous sommes des Africains. To betama solo, to boya guerre. Mais Kagame n'a pas voulu la voie de la paix, n'a pas voulu la voie. Yako Solola, il a cherché la guerre. Alors, tu sais qu'il aussi a déclaré la guerre jusqu'à la fin. Bande Kodanga y partager cette émission parce qu'on va parler, on va développer certains points stratégiques. Place au Wapi, Togo Bimisanyans, Togo Ezali, Yako Bombama, n'a faire comprendre Bino que ce qui se passe réellement en République démocratique du Congo. Tout d'abord, je commence par l'achat des avions de chasse indiens. Bande Kodangaï, c'est comme si Tshisekedi Alingi Asili Sara Rwanda. C'est comme si le président de la République Azara n'a pas ça Rwanda comme poussière. Parce que depuis qu'on a commencé à réceptionner des armes, des avions, des drones, des bateaux de guerre, tout et tout, c'est comme si la RDC veut à tout prix se positionner pour n'attendre pas Azara tant qu'on a lancé guerre, tant qu'on a lancé solution militaire. Et vous allez mami, mami. On vient de nous proposer la guerre, et plutôt le cessez-le-feu par les Occidentaux. Tout ce qu'on voit, caca le loup, tout ce qu'on voit. Donc, le président de la République avait d'autres stratégies, a ordonné qu'il déjà depuis minuit à lobby que toi appliquer solution militaire. Bande konanga ba Rwanda, oh nous sommes dans la Rwanda. Bah, Congolais, besoin de Rwanda, il est temps de quitter le Rwanda. Parce que la frappe sera tragique. La frappe sera tragique. Écoutez, la RDC en pourparler avec l'Inde pour l'achat des avions de combat Texas MK. Texas AL est un avion multirole, monoplace, développé par l'Inde appartenant, selon la presse indienne, à la catégorie des avions de chasse de la quatrième génération de avions autos au Somba. Parce que, d'après les informations que j'ai, il paraît que non, la RDC va réceptionner plus de 5 avions Texas MK. Et dans les avions moro très sophistiqués, et puis dans les avions moro très développés, place au Wapi. Ceux qui ont été utilisés en haut, ont la capacité de atteindre l'ennemi à plus de 400 km par heure. Donc, la distance déjà a détecté déjà l'ennemi. Quand la était un avion moari, ou wapi, Chine, si je ne me trompe pas, avion moari. Mais il y a un avion Sukhoi 25 qui est en haut. Ils ont bien. Mais et comment il y a un problème, il manque Kagame avait demandé aux États-Unis d'Amérique, Bapé, ça y est, système, il y a système, il y a brouillard. Brouillard, ils allaient, bah, système américain, bah, ça là, et bouge à température, et bouge météo. Pour mettre l'avion à Bissouana, bah, Sukhoi 25, et dans la capacité à combattre. Si le président de la République a talaki par rapport à des stratégies tout à la kinengo, par rapport à Makamundenge tout à la kinengo, il nous a fallu une photo d'un avion moko, un drone moko, capable, et à la paix d'un anti-brouillard, et à la paix, et à la bundape, n'a système au Kagama Kenaki Kouzoua. To yaki to sombi avion moari, to réceptionner plus de 5 5 et quelques avions moari. Tout ça en quoi. Avion moari, wana azala kana capacité à ta brouillard et à nengenin. Yé à Pumwaraka. Et à te le rôle à Sukhoi 25. Avion moari, et à la capacité à ta brouillard et à nengenin. Yé à Pumwaraka. Avion moari. Alors, si Koyo
Na avion o tolingi to tozi tozo sa la commande na end Texas. Avion wana bande kodanga ezali avion moko de chasse ya 4e génération de. Donc eli ko lobagalo na génération actuelle avion wana za na top. Donc aza na capacité à atteindre Kigali à 0,1 seconde atteindre déjà Kigali. Aza na vitesse moko supérieure. On a compris que non, le Rwanda est en train de jouer avec la RDC. Alors que nous, la RDC, on a la capacité de se procurer plusieurs armes, plusieurs matériels de guerre pour faire face à Batouana. Le premier avion de série a été livré le 17 janvier 2015. Chasseur supersonique de combat. Léger Texas marque MK1. And l'avion de combat supersonique léger Texas MK1 est conçu pour le soutien aérien offensif, les combats rapprochés et les missions d'attaque au sol. Et ça, avion mon combat de Goulama, très cher Congolais, c'est pour cela que non, c'est fini pour le Rwanda. C'est fini pour le Rwanda. Pas question. Ya koluka sus koluka ko solana biso parce qu'on a déjà parlé. To solo lindengenya soit avec le Rwanda, mais le Rwanda a toujours maintenu sa position de ne pas quitter les sols congolais. Parce que to ekomiti na niveau. Ya kokuta ni sara le deux ministres des affaires étrangères. Pour nabaye bana ko solo to lukaka ka solution, to lukaka ka kimia. Mais on a compris que Kagame n'a pas la volonté politique, n'a pas l'idée de quitter le sol congolais. C'est pour cela que la RDC avait pris la décision de ne plus poursuivre la voie, il y a cessé le feu, il y a trêve. Bande Ronanga, Moyoka. L'avion, oh, a publié sur Tozo qui ne ressemble pas, ou qui ne ressemble pas, mais sur Tozali commande déjà ton coutin tout solo. Avion, wana, Bande Ronanga. Et qu'on s'unga biso makasi. Parce que la RDC a besoin à tout prix collaborer, avoir une coopération avec plusieurs. Pourquoi? Et l'ingé échappé nga yé. Vous allez vous demander comment est-ce que la RDC a kéyé qu'on collaborer na end. Hein? Bouvan d'en expliquer bino. J'ai l'information, je l'ai donné. Est-ce que vous avez la signification ya BRICS? Marlène a mis signification BRICS. Et Bélé a mis signification BRICS. BRICS, Tozana, Brésil. Tozana, Russie. Iwana, Tozana, N. Sewana, Tozana, Chine. Eswana, Tozana, Ghana, Sud-Afrique. Donc, Elingi, Kolobakeno, Naïm Sarabino a une émission. Motonion, surtout, a participé dans 4 ya BRICS. A cause de la total soutien, il y a un pays, surtout, il y a BRICS. Et ça n'a pas battu pour mon lobby. Au Sassoung et soit à mes délégation à Brazzaville, mon papa qui ne peut signer et qui ne peut s'adhérer à 4 BRICS. Ils ont compris la vision. Ils ont compris la vision. Alors aujourd'hui, à travers la diplomatie du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons parlé de Solina Poutine, de Solina Xi Jinping, de 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 Xi Jinping, pour éliminer tous les Rwandais. Les Rwandais. Oh, bah, ça, on a eu le désordre dans ma belle Nabino. Parce que vous avez eu le plan de guerre. Voilà par rapport à l'analyse. Nous avons eu des avions Texas. Nous avons eu des avions Sukhoi 25. Et qui puis, 3 avions Moari, Likolo. Et puis, des Sukhoi et puis des drones militaires. Chez H4, Rainboy, tout est à mon Bounagana. Tout est à mon Bounagana. Parce que Bounagana aujourd'hui est comme alors la place mort à ravitaillement et à ba M23. Bounagana est comme la place mort à ba M23, bah comment on sent la loyenge, bah comment on sent la singélité. J'ai suivi aujourd'hui Presse Peng à la télé, il a décortiqué, il a dit des choses. Excusez Presse Peng. Presse Peng a lobby que ce qui faillit la coma qui m'a conduit à Mboka Lelo
tous à la place où tous à te n'a mis une question. Tout d'abord, après ces peng, d'après les informations, c'est un rebelle, ex-rebelle. Deux, Fayoul ou un étranger. Yo, ils ont proposé que ce soit étranger, ils sont tous en Katamboka. Il faut être malade. On a vécu avec un étranger ici qui a fait plus de 18 ans, Joseph Kabila Kabange. Avancement, ils ont quitté. Tout le monde a un militaire, na biso, ba congolais. Ou bien, ba congolais. Ba rwandais, ou ba infiltré. Mais ba vrai congolais, ou bien, na quatre armées. Comment est-ce que militaire pendant régime ya Kabila, ou bien, congolais, a zo kemba na nenge ko saranate? Ba zo ki no sa la formation militaire na ba nzete ya manga, ba simbi le roi Minduki. Militaire. Nambo kanabisa zaki sou l'importance te pendant régime à Kabila. L'importance c'est zala ki na ba Rwandais ou ba infiltré ki biso na quatre armées. Mais aujourd'hui, presse penge a yé bisi biso ke ou Fayoul soura kouma ki mokondi me makamo tonga tomo na yengote. Qui vous dit que non Fayoul akoukwa ki kozala akoukwa ki ko sa la diplomatie ou tisege de akousala. Tout d'abord, Fayoul c'est un étranger. Il collabore avec les Américains. Les seuls l'Occident qui finance ma troupe wana ya est de la République ne Fayoul ya zo collaborer na bango. Et puis vous venez à la télé bozolo ba biso ke non soki Fayoul akoma ki mokondi tonga toza na place haute, n'est-ce pas? Avec Tshisekedi aujourd'hui, Paul Kagame est coincé par rapport ya ba complot na bango ba sala ki na Kabila. Bango ba sala complot na Kabila ke soki Kabila alongwe, il faut tous les Rwandais ou bazali na quatre armées ba koma ba multiplier ba force na bango ba sangana ba sala onso so ba koyi ko sala pour ba récupérer parti wana nyonso tout. Mais aujourd'hui ça m'étonne je vous dis de voir presse pengue dire que ote Fayoul sala ki moko na kangi parenthèse wana bande konanga il presse la kanda presse pengue a komi ko bela mutu. Ba avion wana otozwi na N, c'est parce que nous tozo participer na kati ya BRICS. Elengi ya kozana na kati ya BRICS, elengi ya ko coopérer na Poutine, elengi ya ko coopérer na nani o Xi Jinping. Tala degré elengi. Parce que na minute la guerre tozo déclarer yango déjà. Bon moni na kota na deuxième sujet mbala moko. Bon, moni prouesse ya ba FRDC. Ba proposer nous so cesser le fait au boyi en moto qui ko récupérer Kalembe. Boyoka, formation ezali. Urgent. Les FRDC ont rapidement repris le contrôle du village de Kalembe qui était tombé entre les mains des rebelles du M23 RDF AFC quelques heures plus tôt. Dans une frappe décisive, la force éclair de FARDC a infligé un lourd revers aux rebelles, entraînant des pertes importantes en soldats et en munitions. On est dans la première étape. Maintenant, on est dans la deuxième étape. On est dans la première étape. Les FARDC appuyés par le Wazalendo auraient délogé les rebelles du M23 à de Kalembe, une zone stratégique dans le territoire de Walikale. Des sources locales affirment que les FARDC ont repris le contrôle de la zone, mais aucune communication officielle n'a été émise par les forces armées jusqu'à présent. Les M23 avaient pris le contrôle de Kalembe il y a 24 heures, suscitant des inquiétudes quant à l'escalade des tensions dans la région. Je continue toujours. Je vais avoir clair, Bandekounanga. Je vais avoir clair, moi. Après de multiples violations du cessez-le-feu par les terroristes de l'armée rwandaise M23 AFC, les FARDC entrent en action pour protéger la population congolaise et libérer les territoires occupés. Les villages de Kalembe, dans le territoire de Lubero, viennent d'être récupérés par les FARDC. Wow! Et Wazalendo. Les terroristes rwandais ont subi plusieurs pertes. Bande Konangaï,
Ce n'est plus le temps de blaguer. Ce n'est plus le temps de jouer. La récréation est finie. On a déjà pris la décision d'entamer la voie militaire. Parce que tu sais qu'il dit à Zala qui trop... A bondeli bango pe moi trop tokende na boye tokende na boye tokende na boye tu sais que j'ai compris que non na ba stratégie nyo sto ya ko solo la to vanda to beta ma solo kanga na ko yokade ngala yaki na sala ki révélation mo quoi na lo ba ki yango boye avant d'assassiner Abiyarimana en 1995 ya yeah, en 1995 avant d'assassiner Abiyarimana. Qu'est-ce que les Occidentaux ont fait? Ils ont essayé de parler avec Abiyarimana, mais ça n'a pas tenu. Ils ont commencé à faire quoi? Babino, Abiyarimana, tu es sur la base, mais dans le pays qui gagne, Abiyarimana Kei. Et si invité à Zong, tu es sur la base, à Kei. Et si invité à Zong, Malembe, Malembe. Si Bayaka va élaborer un plan, Kagame, Yoweri Museveni avec la communauté internationale. Ba vandi ba lobi non dernier voyage na yi Museveni yo kokene na Abiyarimana te parce que Abiyarimana azangi pe tout près na a Yoweri Museveni ba bino Museveni na dernier voyage o yo kokende te kosa na malade Museveni akenda te Abiyarimana kei Abiyarimana avion ya Abiyarimana ezalaka abattu par le missile sol air. Oh, Kagame va passer par la communauté internationale à bombarder avion ya Abiyarimana. Président Akufa, il y a entre président ya Burundi, si je ne me trompe pas, ou soit autorité moi ya Burundi, ya Koufa rapé. Yango monara, ti lelo, ba Burundi, ba la rana, kanda ya Paul Kagame, anenga go saranate. Parce que le même stratégie, la communauté internationale, ba bandi komema yango et pa ya Tshisekedi. Yara nan to sola, ok. Retour na yobo, ba yobo, yara nan to sola, oui. Et puis, dans le dernier numéro, il y a un plan stratégique. Tant que tu sais qu'il y a quoi, je me rappelle de ça. Je me rappelle, Nani, Boyoka. Et ça va dans le temps, Moro Boye, entre avion et tu sais qu'il y a. Oh, il y a même un tisséke, il y a eu la crash. Il y a eu tout ce qu'on s'est rappelé. Entre années passées, il y a eu un bongo. Il y a eu un bongo. 2023, ouais, rappelé, 2023. Il y a un plan stratégique. Oh, il y a eu un salaire à Abiyarimana. Parce qu'on a eu un zong, il y a eu un 2024 pour éliminer tisséke. Il y a eu un konzambo qui a fait sur tisséke. Il y a eu un congolais. Alors, message à la population congolaise et Zaboué. Monsieur le président de la République, toute la population congolaise a confiance en vous. Alors, entamons la solution militaire. C'est bon, nous acclamons le FRDC le Ouazalendo d'avoir récupéré Kalembe. Mais nous voulons aussi appliquer la voie militaire. Nous avons des avions de chasse, nous avons des munitions, nous avons des bateaux militaires, nous avons des drones militaires, nous avons tout ce qu'il faut pour faire la guerre contre le Rwanda. Parce que si nous attaquons le Rwanda dès maintenant, j'espère que la communauté internationale prendra la décision de dire à Paul Kagame de retirer ses hommes sur le sol congolais. Je le dis à haute voix. Je le dis à haute voix, monsieur le président de la République. Veuillez me croire, si nous attaquons à 4 missiles dans Rwanda, la communauté internationale, Bakobenga Paul Kagame, longola dans le militaire nao, parce que les choses commencent à devenir très sérieuses. Nous avons le soutien de la Chine, de la Russie, du Brésil, de l'Inde, de la Chine, pas le Sud-Afrique. Afrique du Sud, parce que Cyril Ramaphosa, c'est un traître. Il était en RDC, il a dit que non, nous devons attaquer tous les terroristes qui sont à l'est de la République. Mais le jour qu'il a mis ses pieds au Rwanda, il a changé de parole. Donc c'est un complice déjà. On l'écarte. Alors, monsieur le président de la République, la population a besoin d'une voie militaire, d'une solution militaire. On a assez parlé à propos de Marambouya Est. Mboke, vous avez dit que 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 vous avez dit que
balobara munoko lobara trop ebetaka libaku moi mobali alobara mingi te moi mobala ajisaka yo osali boy point ça va ndeka ba partie ya lelo osa soubo ete moi mobala ajisaka moi mobala lobara lobara te monsieur le président de la république moi mobali faut kozala ozage nous devons agir comme des militaires vous devez ordonner la ministre de la Défense et puis toute l'armée de prendre la décision d'opérer et puis de réagir en tant que militaire. On n'a plus le temps. Tant que vous êtes monsieur le président de la République, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez année que vous avez dit octobre, vous avez dit deux mois seulement, monsieur le président. Deux mois, je vous rappelle, peut-être que vous oubliez. Deux mois. Maloba Ekoya Kokangao, monsieur le président de la République, il est temps. Il est temps, monsieur le président de la République, de récupérer toutes les parties occupées par les M23 parce que nous, étant tous les Congolais, nous le voulons voir clair. Merci. Nabalandinia, surtout, il y a ma chaîne Nabiso. Et puis, Maman Pauline Lumumba, on a Nabiso depuis quelque part. Beau s'abonner, beau partager, beau liker, comme ça, Nabiso, vous va trop bien. Tokutani, Mbalasima, na numéro Moussous. Kinshasa, tika na yebisa bino, makambo kotongisa kabanda kuya kolala, epa ya noko Pierre tope noko Manuele, eza makambo akala, po ebele batomba ba victime, na mbula ya makasi, banda kwekwela bango, bazwa makama ya ndenge na ndenge. Yango, solution yango yo, entreprise Muteba Construction et service à memeli bino, po na ba travaux na bino ya construction. Olingi kotonganda ku ya kitoko, na ba condition ya kitoko s'il vous plaît, contactez Muteba Construction et service. Po bango basalaka na ba ingénieur qualifié batangela yango na classe na entreprise Muteba Construction et Service okokuta ba service lokola bâtiment génie civil architecture intérieure électricité peinture menuiserie carrelage plomberie climatisation pe basalaka immobilier fabrication bloc forage d'eau construction métallique et en aluminium. Bomi tungi sali susute, bazali kobete ngo dada, boyo kaye moko, mais c'est filemo Muteba, ndenge a communiqué. Na Muteba service, tozana ba service loko la construction à bâtiment, tozana construction à la route, tozana forage d'eau, tozana fabrication à bloc, tozana décoration intérieure, donc entre décoration intérieure na ina loba, tozana plâtre, tous en a peinture, tous en électricité. Donc, nous avons un bâtiment, tout ça, la kayango. Na Muteba service, autopsie, on a chance, c'est belé, et belé, et belé. Yo go bangate, numéro zaga nango facile, numéro pe mokoana. Et puis eza société ya mwana mboka. Société ya mwana mboka. Alongoli chômage. Alongoli chômage, et belé, et belé, et belé. Plus de 500 travailleurs. Yango soutenir, vous soutenir, akoma vena 5000 travailleurs. Akoma na 5000. Papa, maman, olingi batongela yondaku, yo, nasuka bapesi okaka bakle, okeyi kokota, contacte entreprise Muteba Construction et Service, bango bazali ba expert na makambotali construction, bazwami na Kinshasa, na veni filement numéro 1, na cité de la défense, na katia oasis na bondal, ah, na entreprise Muteba Construction et Service, toko mikolala, na ba condition ya kitoko boyende ezalaka ekeyo.